Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette représentation multidisciplinaire au sujet de la vie et de l'œuvre de Louis Fréchette. Une représentation où, vous voyez bien, l'histoire sera ponctuée d'histoires. Aujourd'hui, ma collègue Carole Légaré et moi-même tâcherons de vous relater, grâce à l'histoire et au conte, la vie de ce personnage marquant de la littérature québécoise. Un personnage né à la Pointe-Lévis au milieu du 19e siècle qui fut tour à tour avocat, journaliste, homme politique, poète et conteur. Un personnage qui a cherché au cours de sa vie à répondre aux appels opposés de l'ordre et de l'aventure à la quête à la fois de nomadisme et de sédentarité. Bref, un personnage coloré, réfléchi, complexe, rempli de contradictions, mais surtout d'humanité. Carole et moi, nous nous sommes rencontrés dans une petite maisonnette rouge et blanche à l'été 2017. Donc, je venais d'être engagée comme guide interprète à cet endroit-là et Carole était la directrice artistique de l'endroit. Donc, depuis ce temps-là, nous partageons une passion commune pour l'histoire du Québec et un intérêt fort et particulier pour le personnage de Louis Fréchette. Donc, je souhaite dire que je suis très honorée aujourd'hui de faire cette présentation avec ma mentor là, depuis 2017. Donc, nous espérons aujourd'hui vous transmettre notre intérêt, notre passion pour ce personnage, parce que Louis Fréchette, malgré son importance pour l'histoire des idées et des lettres au Québec, est un personnage méconnu encore du public québécois. C'est pas seulement une salle au Grand Théâtre, hein, comme vous le savez. Donc, Louis Fréchette, c'est un personnage coloré, et nous espérons vous transmettre donc cette, cette histoire un peu ponctuée de péripéties, certainement, mais aussi beaucoup de d'humanité. Voilà. Alors, il nous apparaît également euh, idéal comme occasion de célébrer le 30e anniversaire de la corporation de la Maison Natale de Louis Fréchette, incorporée en 1992. Donc, vous voyez ici la Maison Natale de Louis Fréchette qui est située à Lévis, euh, près du fleuve, et euh, c'est l'endroit où euh, Louis a, a vu le jour il y a 183 ans. Elle se destine aujourd'hui à l'interprétation de sa vie et de son œuvre, et aussi à la mise en valeur de la culture populaire. Donc, la formule qu'on vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est très simple. Chronologiquement, en cinq temps, je vais vous raconter l'histoire de la vie de Louis Fréchette, de sa naissance, survenue en 1839 jusqu'à son décès, euh, donc en 1908, alors que Carole va, avec une parlure bien à elle, va vous transporter dans l'univers conté de Louis Fréchette, de Joe Violon et d'autres originaux et détraqués. Entre 1837 et 1841, Louis-Marthe Fréchette, habile charpentier-menuisier, entreprend la construction d'une petite maison qui allait servir à sa famille de logis pendant quelques années. Située face au fleuve à Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévy, dans l'anse Adelot, la maison de la famille Fréchette est érigée dans un chantier de bois appartenant à l'entreprise Chapman ⁇ Company. Et sans le savoir, Louis-Marthe Fréchette va construire une demeure euh, bien spéciale. C'est à cet endroit-là, le 16 novembre 1839, 39, pardon, que Louis Fréchette, futur poète national, va voir le jour. Louis Fréchette, à qui on donne le deuxième prénom honoré à la suite de sa confirmation, est le troisième enfant de Marguerite Martineau et de Louis-Marthe Fréchette. Ensemble, ils vont avoir neuf enfants: six garçons et trois filles. Par contre, parmi eux, seulement quatre vont atteindre l'âge adulte, Louis, Edmond, Achille et Napoléon. Les trois premiers vont devenir avocats de profession, alors que le dernier, Napoléon, va devenir pharmacien. Tour à tour cultivateur, navigateur, marchand, charpentier, constructeur de quai et entrepreneur en construction générale, Louis-Marthe Fréchette se fait surtout connaître pour son travail dans les chantiers de bois de Lévis, alors que pour sa part, Marguerite Mar Martineau va tenir un petit magasin près de la maison de l'Anse-Adelot, du moins tant que le couple y réside. Et avant son décès, survenu en, 19 en 1853, Marguerite va initier ses enfants à la lecture et aux rudiments de l'écriture. Vous vous en doutez bien, hein, naissance de Louis Fréchette en 1839. Donc Fréchette est né dans une période trouble de l'histoire canadienne. Entre 1837 et 1838 éclatent dans les deux Canada des rébellions contre la couronne britannique. Menée par Louis-Joseph Papineau, la rébellion du Bas-Canada va être plus importante historiquement que celle du Haut-Canada. Ces insurrections sont à l'origine du rapport Durham, un rapport d'enquête sur les causes des rébellions, préparé par le politicien britannique Lord Durham dans lequel il va recommander l'union des deux colonies et l'adoption d'un gouvernement responsable. Au sein de la mémoire collective des Québécois et Québécoises d'origine canadienne française, les insurrections de 37-38 ont un statut d'événement traumatisant, marquant. On se rappellera surtout du rapport Durham comme un document empreint de préjugés culturels défavorables à l'égard des Canadiens français, qu'il va décrire comme, ouvrons les guillemets, un peuple sans histoire et sans littérature et dont l'assimilation complète ne peut être complétée que par l'union des deux colonies. L'enfance de Louis Fréchette est donc marquée par ce contexte post-révolutionnaire et par la répression qui fait suite aux rébellions. Chef du Parti Patriote puis exilé, Louis-Joseph Papineau devient un véritable héros pour le petit Louis Fréchette. Enfin, le poète va l'apercevoir à l'Assemblée législative avec son père, et plus tard, en 1870, il va le rencontrer dans son manoir de Montebello. Fréchette raconte dans Almanach du Peuple, publié en 1908, que lors du retour d'exil de Papineau en 1845, il se revoit encore debout sur le seuil de la porte, tout fier de sa première culotte, guettant les passants et surtout les Anglais, pour lancer à son tour son petit cocorico patriotique sous la forme de l'éternel Hurrah pour Papineau! Hurrah pour Papineau! Hurrah pour Papineau! À l'âge, Fréchette avait à peu près 4 ans, 5 ans. Papineau était en exil. Et dans un monde où euh, la, la presse, où euh, bon, tous les médias de communication n'existaient pas, Papineau euh, avait une aura, il était déjà entré dans la légende. C'était un personnage qui avait toutes les vertus. Quand il passait, s'il partait de Québec à Montréal, on faisait des feux de joie tout le long, on se réunissait, on criait « Hourra pour Papineau !» bien sûr, c'était... C'était le défenseur, le Messie, celui qui était pour enfin nous redonner à nous justice. Et euh, Papineau, on, même, on disait euh, chez, sur le berceau, as-tu oh, vu comment il y a des beaux yeux? Pour moi, il y a les yeux de Papineau. Oh, regarde sa belle petite tête comme ça. Là, regarde, si on lui faisait un petit coq de même, là, il ressemblerait plus à Papineau encore. Tu sais. Puis, hey, c'est un Papineau. Ça, ça, voulait dire quelque chose, être un Papineau. Et puis, même, euh, ne pas être un Papineau, c'est pas la tête à Papineau. Ça aussi, c'est resté. Donc, Papineau, Papineau avait. Euh, c'était avait une renommée assez incroyable parce que c'est ça quand il est parti en exil il y a eu toutes sortes d'aventures et puis même avant avant qu'il parte en exil sur à Montréal on, on, on a fait des complots on a essayé de, de faire une trappe en, en dessous de son lit pour qu'il tombe sur des sur des, 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 des lames de rasoir mais il paraît que c'est celui qui a préparé le piège qui est tombé dedans et puis bon pour Papineau, il y avait toujours toutes sortes d'histoires qui enflammaient l'imaginaire populaire. Et puis ben Fréchette, le petit Fréchette, c'est sûr que eh, à côté de chez eux, c'était des petits hostons, c'était le lance à leau Tout était en anglais euh, à Lévis à cette époque-là. Et puis ben c'est ça avec euh, il criait ou reprochait Papineau, puis il agaçait ses voisins aussi avec ça, puis il agaçait son père. Je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir, j'aimerais ça rencontrer Papineau, j'aimerais ça. ça qu'il était assez ardent, le petit Louis Fréchette, pour convaincre les gens. Un bonjour, son père il lui a dit Écoute, là, quand Papineau va venir, on va, on va y aller ensemble, je vais t'emmener. Et puis, ben, c'était un homme de parole, le père de, de Louis Fréchette. Ça fait il a amené un bonjour sur le traversier qui était un horseboat. Hein, C'était euh, par la force des chevaux qui tournaient, qui faisaient marcher une roue à eau pour traverser le fleuve. C'était toute une, une expédition. Il monte la côte de la montagne, il arrive en haut. Euh, le Parlement était euh, le parc Tachereau, je pense juste en haut. Et puis, euh, là, il entre. C'était plein de monde. Lui était tout petit. Son père l'a pris dans ses bras pour qu'enfin il puisse voir Papineau, cet homme-là, grand, là, élégant. Euh, qui, qui, qui dégageait beaucoup d'énergie. De, 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 C'est un homme intègre, il y avait des vertus illimitées. Et puis, ben, un bon moment, quelqu'un a apporté un papier à Papineau. Fréchette surveillait de, du haut de son perchoir avec son père, tout content. Et puis là, Papineau s'est levé pour prendre la parole. Et là, Louis Fréchette, son cœur battait comme ça. Là. Puis là, tout à coup, il a quasiment tombé des nues. Là. Papineau parlait en anglais. Ça, ça c'est la grande déception. Quand il est revenu chez eux, il a essayé de compter ça à ses amis. Puis je pense qu'il n'y a jamais personne qui l'a cru. Alors, bien que ses premières années de vie se soient déroulées dans une atmosphère de travail et de paix, de douce affection, d'encouragement mutuel et de reconnaissance à Dieu, l'enfance de Louis est ainsi attristée par l'inquiétude générale de son pays, alors en crise politique et économique. Cette période trouble va forger le caractère du jeune Frichette et l'amener très tôt à protester contre les idées toutes faites et parfois même à protester contre l'autorité. Louis Fréchette fait donc ses apprentissages dans ce contexte, dans cette maison aux persiennes vertes. Elle va être d'ailleurs une grande source d'inspiration pour lui, alors qu'il écrit de nombreuses années plus tard sur son enfance, sur le paysage escarpé et les chantiers de bois qui bordaient la maison. Sur la grève, il voit s'amarrer des cages et entend les hommes qui les manœuvrent, qu'on appelle les cageux. Les chants et les histoires de ces travailleurs vont le toucher profondément, et des années plus tard, leurs récits deviendront la source principale d'inspiration de l'écrivain. Dès l'âge de 9 ans, Louis assistait à des veillées de la jeunesse qui se tenaient à quelques arpentes chez son père. Et d'ailleurs, il n'avait pas le droit d'y aller, Louis. Son père lui interdisait, ses parents lui interdisaient, parce qu'il y avait là toutes sortes, de, toutes sortes de créatures et de personnages. Mais il y allait quand même en douce. Donc il visitait parfois les chantiers de bois d'écarissage qui s'étendaient au, au bas de la falaise près du fleuve pour écouter un conteur à la mode, Joe Violon. Joe Violon, c'était Joe Caron. José Caron dit Joe Violon. Qui, si vous voulez savoir, il n'a jamais joué de violon, mais il racontait bien des histoires. Puis, bon, on s'aperçoit au fil du temps que l'histoire est, est bien importante, mais savoir la raconter, c'est une autre histoire. Puis, Joe Violon, ben, il avait monté dans les chantiers, euh, il avait connu euh, bien des personnages. Euh, ben, ils n'avaient pas été bûchés, là, mais il en connaissait des personnages qui... Euh, euh, ben, oui, Joe Violon avait été bûché parce que c'est ça, il y a l'histoire, c'est compliqué. Il y a l'histoire de Fréchette, la parole de Fréchette, Fréchette elle raconte. Joe Violon en raconte, puis moi, je vous raconte tout ça. À ma manière. Parce que moi, je tombais en amour avec Louis Fréchette euh, bon, en 97, quand les, euh, les premières journées de la culture, hein, cette maison-là, me fascinait, elle était inhabitée depuis longtemps. Et puis, euh, tout l'entourage, euh, euh, il y avait un grand quai, il y avait même une usine, il y avait une autre histoire dans cette histoire-là aussi. Et de, de, de prendre conscience, de lire Originaux et Détraqués, de lire les contes de Joseph Violon. Des gens ordinaires d'une autre époque qui m'étaient redonnés comme ça avec leur parlure. Et puis, ben, Joe Violon, c'est le, le plus grand exemple avec Pomerlot, uh, Tipit uh, Valran, uh, Titange, tout ce beau monde là, qui, uh, qui nageait, uh, il appelait ça nager, ramait, uh, remontait le fleuve, remontait les rivières pour aller uh, bûcher uh, nos forêts qui nous redescendaient comme ça en, en cage. Et puis, ben, ça a fait toute une histoire. Moi, je viens de là-dessus, l'histoire du bois. Je la connais, mais les bûcherons, ils n'étaient pas aussi sympathiques que Joe Violon. Hein? Il descendait du bois, bien souvent il faisait du trouble quand il débarquait à la gare. Là, il y avait plein d'hôtels. fait, que les bûcherons, j'avais pas cette idée-là. Mais quand tout à coup, en lisant, en lisant Fréchette, je me suis réconciliée avec tout ça. Ça fait que Joe Violon, qui était un grand individu déguingandé, là, tu sais, qui se balançait comme ça en marchant puis qui refusait pas de compter avec deux doigts de, de Jamaïque, bien sûr que ça aidait pour euh, lubrifier le gorgoton. Hein, que c'était. Puis autour des grands feux, c'était pas des petites des petites branches là mais peut-être pas ces beaux ces beaux arbres là, là qui descendaient t'es beau peut-être des pins des, 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 des arbres aussi gros aussi grands mais euh, avec euh, les euh, tout le monde là, la flamme les visages et tout ça le, le, tous ces personnages là Fréchette ben, il a pris de l'inspiration puis il a transformé puis il a rendu ça poétique et merveilleux alors moi je au violon ben pas capable de, de parler comme lui parce que il rapportait des, des anciens parler. Il y a même des conteurs à Maison Fréchette qui sont venus, un homme qui venait du Cotentin, qui me disait que les vieux avaient des termes que Louis Fréchette utilise dans ses contes. Alors, si vous voulez, du Violon, c'est le personnage à connaître. Alors, après les cages, les wagons vont s'installer entre la grève et la maison natale de Louis Fréchette. Elle est acquise par le chemin de, le chemin de fer Le Grand Tronc en 1852 et la famille Fréchette va être forcée de déménager en Haute-Ville de Lévis. Le petit Louis va quitter ainsi le décor de son enfance. Il est âgé de 13 ans au cours de son enfance fréchette veut, veut fréquenter quelques petites écoles mais il est rapidement envoyé avec son frère edmond au pensionnat de m gamache situé à une lieue de lansadoule dans ses mémoires fréchette ne raco raconte ne pas garder de très très bons souvenirs de son passage dans ce lieu Il faut s'imaginer à l'époque dans un, un, un chemin sur le bord du fleuve qu'il n'y avait pas des écoles primaires pour tous les petits canadiens les petits Canadiens de l'époque. C'était pas, il y avait des couvents, il y avait des collèges, mais les écoles primaires c'était assez limité. Par contre, il y avait des, euh, des professeurs itinérants. Ça, ça voulait dire que euh, c'était assez cocasse souvent. Il y a eu un maître euh, marseillais à un moment donné qui leur enseignait euh, à un bagne euh, le peigne. Euh, alors sa mère ne comprenait, comprenait pas qu'est-ce que les enfants apprenaient à l'école. Euh, il y en avait un autre qui leur avait enseigné que le mot coffre s'écrivait Q U apostrophe O F F R E N T et il y en avait d'autres qui euh, qui avaient toutes sortes de petits une petite ardoise avec une craie c'était tous les outils euh, nécessaires à, sa, à son enseignement à ce professeur là et puis il y avait eu il y a eu aussi euh, Gamache. Mais là, gamache, là, ça allait avec l'air du temps, parce qu'apparemment, selon le témoignage de Fréchette, il fallait dompter les enfants. C'était euh, plus, plus on frappait les enfants pour leur faire apprendre, pour les, pour les soumettre, plus on mettait de fleurons à notre couronne dans le, notre future couronne dans le ciel. Donc, le martinet était peut-être là, le plus beau, euh, la meilleure façon d'enseigner aux enfants. Ce n'était pas les crayons puis les tableaux. Il fallait apprendre, il fallait dompter les enfants. Et Gamache était euh, intraitable. Il enfermait les enfants dans des petits cagibis. Euh, bon, Mais il y, avait, il y avait ça. Il y avait ce genre d'éducation-là aussi. Mais il y avait aussi aller au petit cachis. Et c'est là que Louis Fréchette a fait la connaissance avec l'histoire de la Corriveau. Parce que marcher de lanse de leau jusqu'à Pointe-Lévis, l'église de, de, de Saint-Joseph de la Pointe-Lévis, c'était quand même assez loin. Il y allait là à pied. Bon. Et puis, un bon soir... Il y avait, j'avais trouvé quelque chose dans le cimetière. Personne ne savait ce que c'était. Euh, on est en 1845 à peu près. La Corriveau, c'est en 1763. Donc l'histoire, c'était perdue, là, tout ça. Et ben c'est là que Fréchette a pu euh, constater et après prendre connaissance de, de tout, toutes les données historiques sur la Corriveau. Alors. Euh, L'instruction primaire, c'était assez limité, mais ça suffit pour inspirer Fréchette pour devenir euh, poète, ce qu'il a déclaré à son père un bon matin. Et son père se coupant avec son rasoir, lui a dit :« Mon petit gars, faut que tu, faut que tu, tu, tu penses qu'un jour tu vas finir, tu vas mourir à l'hôpital. » Alors, quel soulagement c'est pour Fréchette de quitter ces lieux d'enseignement parfois, parfois étranges? Donc, dès qu'il est en âge, Fréchette va finalement entrer au collège de Lévis. Il peut lire pour la première fois à cet endroit la poésie patriotique du poète national octave Crémazie. Et le directeur va remarquer son intérêt fort pour la, la poésie poésie, la littérature. Il va recommand, recommander à son père que le petit Louis aille suivre un cours classique. Donc en 1850, euh, euh, pardon, j'ai oui, OK, parfait. En 1854, il va donc devenir pensionnaire au petit séminaire de Québec. Son esprit de rébellion va, contre l'autorité va se manifester beaucoup pendant ses études collégiales. Il a du mal à se plier aux règlements. Sa manie d'écrire des vers en français, alors que seuls ceux en latin sont permis, et d'autres mauvais tours, lui valent d'être renvoyé du petit séminaire en 1857. Il va donc entrer au collège Saint-Anne de la pocatière Fréchette ne s'applique pas davantage et est mis à la porte pour les mêmes raisons en 1859. Le collège de la pocatière, c est, c est, euh, ça me rappelle une histoire aussi que, que j'ai prise dans les, euh, les Originaux et Détraqués. Juste une petite histoire, il y a, il y a plusieurs personnages, douze personnages dans Originaux et Détraqués. Mon coup de cœur, quand je l'ai lu, ben, c'était Chouinard. Chouinard, Olivier Chouinard, c'était... Euh, des fois, on dit ça, pas assez fou pour mettre le feu, pas assez fin pour l'éteindre, ou l'inverse, je ne sais plus drôle, mais euh, on dit des choses comme ça dans les histoires. Et puis, Chouinard, ben, il y avait, euh, il y avait la, 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 la caractéristique et l'emploi de facteurs à pied, de l'évis à gaspé, aller-retour. Ben, il passait au collège de l'Apocatière, et c'est là que Fréchette l'a connu. Quand il arrivait, ben, il arrivait avec des lettres. Puis, euh, sa caractéristique à lui, c'était que. Euh, il avait vu les gens qui avaient donné la lettre. Il s'était aperçu s'il était en santé, et s'il était en forme, s'il avait un nouveau bébé, si bon tout ce qui arrivait, il, il pouvait témoigner de ça. Donc quand il arrivait, c'était une fête. Les enfants, le, 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 le souignaient. il donnait la, 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 comment il appelait ça, Donc, la, pas la, la bascule, c'est ça exactement. Alors Olivier, mais Olivier, il y avait. Me parler aussi un peu particulier. Puis euh, il y avait des chansons aussi, des chansons saintes. C'est la Saint, 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 c'est la, la sainte, c'est la Sainte Vierge qui allume les cierges. Et puis, il y avait aussi euh, un vocabulaire en latin que je vais terminer la, la, les tirades par la meilleure, à mon avis. La fin du Notre Père, cello et in hein, terra. Les plus comme moi, vous vous en souvenez de ça. Ben, Olivier lui disait si tu te salis, salaud, tu te <laughs> Puis, il y en avait d'autres, il y en avait d'autres. Était, était assez bien fourni en histoire. Alors, il a fait toutes sortes de choses, Olivier Chouinard, à part de passer au collège de l'Époque à où Fréchette n'est pas restée, puis que finalement, son père l'a envoyé. Quand il s'est fait mettre à la porte, il l'a envoyé casser des cailloux en Nouvelle-Angleterre. Puis après un mois, bien, il est revenu repentant, puis il a fini ses études. Mais Olivier Chouinard, bien, il est resté dans sa tête toute sa vie, puis dans la mienne aussi. Alors Fréchette revient et donc elle va finir son cours finalement, son cours classique au Collège de Nicolet en 1860, enfin. Son maître va noter « Fréchette me paraît trop appliquée à la poésie et pas assez aux matières de classe ». Vous comprenez bien, là déjà à cette époque-là, Louis c'était un passionné, un passionné de poésie. Il a déjà même fait paraître ses premiers poèmes dans les journaux à partir de 1858 alors qu'il n'avait pas encore 20 ans. En 1861, Fréchette va finalement entrer en droit à l'université Laval. Il va habiter une mansarde dans la cour du palais. Les soirées sont animées. Lui et ses amis se réunissent, parlent de politique, participent à des campagnes électorales et, bien sûr, s'occupent de littérature. Louis est même engagé à tra comme traducteur à l'Assemblée législative. Mais il va quitter son poste neuf mois après parce que cet emploi convenait très bien peu à son caractère poétique et indépendant. Au cours de ses études, Fréchette va s'occuper sérieusement de littérature et va fréquenter notamment la librairie d'Octave crémazie où se réunit l'élite littéraire de Québec, dont l'historien François-Xavier Garneau, le penseur Étienne Parent, le baron Gaudré Boileau et le futur premier ministre du Québec, Pierre-Joseph Olivier Chauveau. En 1862, Fréchette va écrire sa première pièce de théâtre, « Félix Poutré », qui va être jouée avec succès. Et l'année suivante, il va publier son premier recueil de poésie, mes loisirs, qui va attirer l'attention d'hommes de lettres sur lui. À la suite de ses études en droit, Fréchette va retourner habiter sa ville natale et donc, admis au barreau de, de Québec en 1864, le jeune avocat va ouvrir un cabinet dans, à Lévis, dans la Côte du Passage. Pierre Georges Roy, un historien lévisien bien connu, va commenter que, comme, comme avocat, Fréchette avait la réputation d'être un rusé. Alors qu'il s'établit comme avocat, il va se lancer en même temps dans le journalisme pour exposer ses idées politiques. En novembre 1864, il va fonder le Drapeau de Lévis, qui connaît peu de succès et va, va donc disparaître après quatre numéros. Il va fonder ensuite en 1865 le Journal de Lévis, pas le Journal de Lévis d'aujourd'hui, c'est l'ancêtre de la Tribune de Lévis qu'on connaît. Donc ce journal-là va connaître un petit peu plus de succès, mais va quand même disparaître quelques mois plus tard. Ces euh, journaux exposent des idées euh, républicaines et anticléricales et donc euh, ne sont pas très aimés de la population un peu plus conservatrice. Donc ces articles sont même jugés comme des articles radicaux parfois. Les affaires vont très mal pour Fréchette. L'accueil de son premier recueil de poésie n'est pas à la hauteur de ses attentes. Les clients ne se bousculent pas non plus à son cabinet et puis ben, ses idées dérangent autour de lui. Alors Fréchette va décider de s'exiler volontairement vers la fabuleu fabuleuse ville de Chicago, ville où le fait français remonte jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà donc notre poète en exil, hein, comme ses héros, Papineau, Crémazie, Victor Hugo. Le poète veut fréquenter les milieux canadiens français ou. Pardon, je pense que j'ai changé trop vite. Voilà, va, va s'installer dans, dans ce qui deviendra la future paroisse de Saint-Joseph Saint de Brinton Park. Le nouveau venu va donc se révéler comme le champion de la défense des droits des, de ses compatriotes francophones et va devenir l'idole de la petite communauté. On va même lui demander de fonder une succursale, la Société Saint-Jean-Baptiste, qui va contribuer à rassembler ensemble les Franco-Américains. Il va également contribuer aux journaux de l'endroit, dont L'Observateur et L'Amérique en 1868, dans lesquels il va s'appliquer à défendre les droits de ses compatriotes. Et le poète et essayiste Marcel Dugas va écrire que là-bas à Chicago, Louis donne au patriotisme français une nouvelle impulsion en lui fournissant une voix, des armes et des arguments. Quand Fréchette est partie en exil, mais oui, ils protestaient contre la, la, la Confédération et tout ça. Mais il y avait aussi euh, un espèce de complot avec les Féniens qui étaient des. Euh euh, des Irlandais révolutionnaires. Bon, ça. Et puis, euh, il y avait eu des contacts avec eux autres. Fait que, il y avait bien des raisons pour partir, puis euh, s'en aller là-bas avec ses deux frères, Achille Piedmont Edmond. Et puis, ben, à Chicago, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de Canadiens français. Puis, il y avait aussi toute une activité euh, culturelle. C'est là qu'il a rencontré Mark Twain c'est là qu'il a rencontré Annie Howells, aussi, la, la sœur de. de, de William Dean Howells, un, un historien aussi américain. Euh, il y avait toute une vie culturelle là-bas. Et puis, ben, quelquefois, là, pour défendre le fait français, comme disait, euh, comme disait Amy, ben, on roulait dans la poussière hein, à se battre comme ça contre les gens qui, euh, les, les Allemands surtout, avec la guerre euh, de la France et de la Prusse. Euh, bon, il y avait des des gens d'un peu partout à Chicago. Toujours est-il qu'un bonjour, ça chauffait peut-être un peu trop à Chicago. Fréchette est partie avec, avec son ami Alphonse Leduc. Ils sont partis pour aller dans, au Mississippi. Long, découvrir le Mississippi, ensuite s'en aller jusqu'à la Nouvelle-Orléans, et puis ben, un soir dans un théâtre où il euh, y avait une belle pièce de théâtre, il euh, y avait des, il y avait des, le langage qu'on venait pas à Fréchette, puis le duc qui sifflait puis qui qui, euh, qui qui disait des, des choses qui, qui se prononçaient puis bon il y a un Allemand en haut dans une loge qui était là avec des dames, mais tout ça un officier allemand qui euh, qui leur répond, qui leur répond et puis, ça s'est envenimé. Et puis, ils se sont parlé. Puis, l'officier lui a donné sa carte. Puis, Alphonse le duc lui a expliqué à Fréchette que c'était le signe d'un duel. Alors, le lendemain matin, à 4 heures du matin, le duc a traîné Fréchette dans, dehors, dans le pré. Et puis, l'officier a eu le choix des armes. C'était un fin limier. Alors, Fréchette n'avait jamais touché à une épée de sa vie a relevé le défi, a pris, a pris l'épée et s'est mis à, à, se, à défendre. Euh, ça n'a pas été long que l'officier s'est aperçu que Fréchette savait pas du tout se battre et euh, euh, par, il, fait, par, il parait les coups avec beaucoup d'énergie. Puis, ben, un grand coup comme ça qui a, qui a été dévié euh, a fait qu'il y a eu une blessure dans la cuisse, il est tombé par terre, le sang avait coulé, l'offense était lavée. Et euh, Fréchette, ben, c'est ça... Je voulais, finir, je voulais lire ce que Louis-Olivier euh, David, son grand ami, le dis disait de lui. « Toujours élégamment vêtu, soigneusement ganté, superbe de nature et de mine, bâti en athlète, euh, bâti en, en athlète et débordant de vie, ce comme on peut constater, avec autant de force dans les bras que dans la tête, aussi redoutable par le poing que par la plume, personne n'aurait osé lui reprocher d'être timide ou lâche. Alors Fréchette beaucoup de rigueur en hein, défendre la langue française, il ne perd quand même pas la douceur de sa plume et à Chicago, il va écrire plusieurs poèmes, des pièces de théâtre et même de l'opéra. Lors de son exil, dans une période de désillusion et d'isolement de sa patrie, il va écrire La voix d'un exilé. Peut-être que vous la connaissez, un véritable pamphlet contre la nouvelle confédération canadienne en 1867. Alors voilà. J'ai vu ton vieux drapeau, saint et noble, oriflamme déchiré par la balle et noirci par la flamme, encore tout imprégné de sang de nos héros couverts d'un monceau d'or qu'un ennemi leur compte, servir de tapis vert à des bandits sans honte sur la table de leurs tripot. Je les ai vus, ces gueux, honte à l'espèce humaine, l'œil plein d'hypocrisie et le cœur plein de haine, le parjure à la bouche et le verre à la main, érigeant l'infamie et le vol, dans, le vol en science pour vendre leur pays, troquer leur conscience contre un ignoble parchemin. Et ça continue. Donc un recueil de poésie déclamatoire et accusateur qui jette un véritable louche d'injures contre ses anciens persécuteurs politico-religieux. Rapidement et pour une nouvelle fois, Fréchette va être accusée de cultiver des idées hérétiques, révolutionnaires, subversives. Discutée dans tous les milieux, la voix d'un exilé va faire écho même jusque dans sa patrie, rendant célèbre notre poète en exil et participant à son retour triomphal vers son pays natal. Il va revenir au pays en 1871 et va, en quête encore d'aventure, se lancer en politique cette fois-ci. Il est donc âgé de 32 ans. Il va d'abord se lancer en politique pour le Parti libéral provincial, il va faire, comme à son habitude, des discours enflammés, déclamer des poèmes patriotiques, mais il va perdre ses élections. Il va avoir un autre échec au parti, euh, euh, aux élections fédérales de 1872 et va finalement être élu député en 1874 pour le Parti libéral fédéral, comme député de Lévis. Il va siéger au Parlement jusqu'en 1878 et pendant cette période, il habite la capitale, Ottawa. Au Parlement, il va côtoyer son cousin, Wilfrid Laurier, futur Premier ministre, alors euh, ministre du Revenu de l'Intérieur dans le gouvernement d'Alexander Mackenzie. Selon George Atling, qui a écrit la biographie de Fréchette dans les années 50, les liens d'une franche amitié existaient entre Louis Fréchette et Wilfrid Laurier, bien que ce dernier se trouvait quelquefois incommodé par l'impatience et le manque de tact de son confrère de Lévis. Vous savez bien, hein, un caractère poétique et indépendant. Alors, Fréchette ne connaît pas de véritable succès parlementaire. Le poète et l'artiste l'emportent peut-être trop souvent sur le député. Défait à nouveau aux élections de 82, Fréchette va décider de quitter la vie politique pour se concentrer davantage à sa poésie et à sa nouvelle famille. Parce que Fréchette avait épousé en 1876 Emma Baudry, la fille d'un riche marchand et banquier de Montréal, Jean-Baptiste Baudry. Donc, un, un, un bon mariage, comme on dit. Le couple aura trois filles et deux garçons, dont l'un d'eux, Charles Auguste, va mourir bébé à l'âge de quatre mois seulement. Fréchette était un homme de famille, un homme d'amitié. Et puis, bon, il a écrit des contes pour ses petites filles, Louise, Jeanne et Pauline. Et c'est Pauline qui a recueilli les 100 plus beaux poèmes à son goût. Nous sommes en contact à la maison Fréchette avec l'arrière petite fille, Claire Le Duc. Donc, euh, la génération de, 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 des enfants, les descendants de Louis Fréchette euh, s'appellent Béic, Le Duc, Hatfield. Euh, euh, bon. Et puis, ben, j'ai trouvé dans ces euh, poèmes, ces 100 morceaux choisis, une élégie. À la mémoire de Charles-Auguste, je me suis permis d'y mettre, me mettre une petite chanson, une mélodie plutôt. Les jours de soleil sont passés et l'automne fait sa vendange. Dans l'enceinte des trépassés, la feuille tombe, la poule tombe à flots pressé Dors, mon doux ange, il était frais et blond comme un enfant Jésus. Dieu nous envoie, hélas, des douleurs bien cruelles. Un soir, je le berçais, des anges sont venus, qui l'ont emporté sur leurs ailes. J'épiais ai son sommeil, et quand il remuait, je baisais à genoux ses petites mains blanches. Il est là maintenant, sous ce tertre muet, prisonnier entre quatre planches. Les jours de soleil sont passés et l'automne fait sa vendange. Dans l'enceinte des trépassés, la feuille tombe à flots pressés, Dormons mon doux ange. L'année suivante son mariage, en 1877, Louis Fréchette va publier son second, second recueil de poésie qu'il va dédier à sa femme. Il s'appelle Pale Mail, celui-là. Il va écrire À ma femme, celle qui dort et féconde mes jours d'été, J'offre ces pauvres fleurs effeuillées de mon printemps. En 1880, Louis Fréchette va soumettre deux recueils de poésie au concours annuel de l'Académie française. Alors que la famille Fréchette est installée à Montréal où va débuter d'ailleurs certaines représentations théâtrales de ses œuvres dont l'œuvre Papineau ou l'œuvre Le retour d'un exilé, Fréchette va recevoir un télégramme qui lui annonce une excellente nouvelle. L'Académie française, rien de moins, lui décerne son prix euh, l'un de ses prestigieux prix, le prix Montion d'une valeur de 2500 francs. Fondé par Jean-Baptiste Montion, ce prix est décerné depuis 1872 aux auteurs français d'ouvrages les plus utiles aux mœurs et recommandables par un caractère d'élévation et d'utilité morale. Bon, quand même. Louis Fréchette sera en France pour recevoir son prix, remis pour la première fois à un citoyen canadien. Victor Hugo, qui l'admire depuis toujours, va lui accorder une brève entrevue. Imaginez Fréchette à Paris sur les grands boulevards, se dirigeant pour rencontrer Victor Hugo, chez lui, quand même. Lui qu'on appelait Hugo le Petit, de ses ennemis l'appelaient Fréchette Hugo le Petit parce qu'il parce qu bon, il avait écrit la légende d'un peuple, il avait la légende des siècles. Bon, on faisait des associations et on, on était méchants aussi pour Fréchette souvent. Mais là, Fréchette, euh, il, il a l'impression qu'il va rencontrer le bon Dieu. Là, tu sais, il marche sur, sur les boulevards et puis frappe à la porte. Quelqu'un vient lui ouvrir et entre dans l'antichambre. Et euh, bon, il euh, y a déjà deux dames qui sont là, qui jasent ensemble. Et puis, euh, derrière les portes, il y a des gens qui, 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 qui soupent, qui dînent à cette époque-là, longtemps. Et Fréchette attend. Ça part de l'autre côté, ça rit, ça, ça vit agréablement. Et puis, tout à coup, tout à coup, Victor Hugo apparaît dans la porte, se dirige vers les deux dames. Leur donne un peu une aumône, euh, leur, euh, ça, leur fait la charité et arrive à côté de Fréchette, qui est tout fier, tout heureux, tout ça. Et puis, lui de, Hugo lui demandez vous, qu'est-ce que je peux faire pour soulager votre détresse <laughs> Ben oui, Fréchette, il a trouvé ça drôle, mais pas, il a pas ri. <laughs> fait que là, il a commencé à, à se présenter Je suis Louis Fréchette, je viens. Pardon, pardon. Alors, c'est aperçu que Victor Hugo, il était sourd comme un pot, il n'entendait rien. Alors, il était là. Louis, Fréchette, oui. Ah, je viens du Canada. Ah, oh, vraiment? Vraiment, alors Fréchette était vraiment, il tombait des nues, là, euh, et puis, euh, bon, ah oui, ça existe encore, ça parle français, ah oui, vraiment, et puis, ben c'est ça, ça finit comme ça, il, il se souvenu peut-être un peu mieux dans ce qu'il a écrit de la main potelée et blanche qui lui a ouvert le rideau pour sortir, <laughs> il a invité l'aise, et puis, quand on lui parlait de Victor Hugo à son retour, qu'est-ce qu'il qu qu répondait? Répondait, Ah, il est encore plus grand qu'on peut se l'imaginer. À son retour, le lauréat est célébré par ses amis qui vont lui euh, organiser des fastueux banquets. Mais il est également euh, virulement critiqué par d'autres qui voient en cette distinction une reconnaissance plus politique que littéraire. Son accueil est effectivement partagé entre, d'un côté, la fierté et la reconnaissance qu'on est remis un prix pour la première fois à un citoyen canadien, et de l'autre, une présomption de plagiat attisée par ses ennemis conservateurs et ultramontains qui craignent que l'auteur ait mis son, service au libéral, au service de, son talent au service pardon, du libéralisme radical et qu'on lui ait décerné ce prix en raison de sa proximité aux valeurs de la Troisième République française. Une suspicion qu'il prend beaucoup de plaisir à, à attiser, à nourrir, en truffant ses chroniques journalistiques de parti pris républicain, qu'il signe avec beaucoup d'humour dans le journal La Patrie, alors la propriété d'Honoré Beaugrand. Et sous la plume, la plume d'un pseudonyme, Cyprien, Fréchette va publier un autre pamphlet, encore une fois très virulent, « Petite histoire des rois de France ». En 1883, où il va reprendre la dialectique maçonnique, on le soupçonnait souvent d'être un franc-maçon, et il va stupéfier donc ses lecteurs. Il va dédier, euh, écrire donc, dédier humblement euh, ce pamphlet à tous ceux qui appellent encore les rois de France des rois très chrétiens. Donc, encore une fois, l'humour de Fréchette, assez perché, assez subtil, mais bien poignante. En 1885, Louis Fréchette, appelé par, par, par l'ordre, va donc s'installer à Nicolet, une vie posée de famille, va se retirer de la vie publique et va pratiquer sa profession d'avocat. Mais pas pour longtemps, parce qu'encore une fois, l'aventure l'appelle. Et au début de l'année 87, il va encore se lancer dans une campagne électorale, ce qui l'amène à parcourir le, le jeune pays euh, pour le Parti libéral du Canada. Insatisfait de la tournure des élections, euh, des événements, il va donc décider au mois de, 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 de mai 87, accompagné de sa femme et de ses enfants, de quitter le Québec pour un exil volontaire vers la France. D'un petit village pittoresque, il va rédiger un manuscrit ambitieux, probablement son œuvre poétique la plus importante, qu'il va faire paraître en 87 sous le titre La voix d'un exilé. La légende d'un peuple, pardon. <laughs> La légende d'un peuple. Voilà. Donc, dans un souffle poétique exceptionnel, le recueil va raconter l'histoire du peuple canadien français de ses origines jusqu'au seuil du 20e siècle. Cet ouvrage poétique va être reçu avec enthousiasme et va être jugé comme l'épopée de l'âme française au Canada. Ben, moi, je pensais pas me pencher vraiment sur la légende d'un peuple tout en alexandrin, mais il euh, y a des pages tellement touchantes. Saint-Denis. Un jour, après avoir longtemps courbé le front, le peuple se leva pour venger son affront. Comment dans ce conflit de forces inégales, armés de vieux mousquets chargés avec des balles qu'ils fondaient de leurs mains sous le feu des Anglais, On les vit tout un jour riposter au boulet, Et puis, finalement, remporter la victoire, On croit rêver devant cette page d'histoire. Un de mes vieux amis l'a compté cent fois, et quand il la relatait, quand il relatait ces choses-là, sa voix tremblait toujours un peu, car c'était de son père, un des seuls et derniers survivants de l'affaire, qu'il tenait les détails du drame ensanglanté où son grand-père était mort pour la liberté. Il n'était pas en tout quatre cents. Dès la veille, il s'était confessé. Et l'esprit s'émerveille à songer que ces gens, sans pain, mal équipés, fiers revendicateurs de leurs droits usurpés, dans leur révolte sainte et leur courage austère, osaient braver ainsi la puissante Angleterre. Considéré comme un poète national, Fréchette va cultiver euh, en même temps l'idée de vivre et de faire carrière en France. Il est toujours en exil en France. Par contre, pris de malaise, il va toutefois être forcé de rentrer au pays en décembre 1887, donc il a passé moins d'un an en France, euh, où il va donc s'installer à Montréal, finalement, pour re rester à cet endroit tout au long de, de, des, dernières, des dernières années de sa vie. Donc, les mois qui suivent son retour, dans les mois qui suivent son retour, il va écrire Vive l'une des plus sérieuses crises de son existence. Au terme d'un an d'inquiétude et de marasme, Fréchette se voit toutefois attribuer le poste de greffier au Conseil législatif de la province de Québec, un poste qu'il va garder jusqu'à son décès. Les dernières années de la vie de Fréchette sont orageuses. On aurait pu croire que l'honorable Greffier, membre fondateur en mai 1891 de la section française de la Soi Société royale du Canada, chevalier de la Légion d'honneur, auteur d'un récent recueil lyrique, passablement tranquille et rétrospectif, et souffrant périodiquement de graves problèmes de santé, se serait tenu à l'écart des luttes idéologiques. Vous connaissez bien Fréchette, c'est tout le contraire qui va se produire on n'est pas très surpris. En parallèle à la publication de ses œuvres de création littéraire, Fréchette va signer des chroniques polémiques anticléricales, encore une fois, et il est d'ailleurs beaucoup préoccupé par l'éducation et la qualité de la langue française enseignée. En 1891, Fréchette va faire paraître son dernier recueil de poésie, Feuilles volantes, et le poète va bientôt laisser place au compteur. En 1892, il va faire paraître Originaux et Détraqués, dédié à son ami d'enfance, James uh, Sir James Edgar. Il va présenter tour à tour douze personnages étonnants rencontrés à Lévis et à Québec, et le talent de Richette les fait revivre dans un style maîtrisé. Grelot, Dominique, Chouinard et tous les autres s'animent devant nous dans une langue bien à eux, colorée, canadienne-française, dans des histoires parfois amusantes, touchantes et inoubliables. Ce livre va connaître un grand succès et est, est, est toujours euh, fait partie des œuvres majeures de notre littérature. C'est à partir du milieu des années 80 que Fréchette avait commencé à faire paraître des contes et des histoires dans les journaux. Et ces, ces contes et ces histoires prennent souvent leur source dans des souvenirs d'enfance et dans des rencontres qu'il a faites à Lévis avec des personnages qui vont devenir légendaires comme Joe Violon ou Baptiste Lachapelle. Il est d'ailleurs l'un des premiers à coucher sur papier ses récits et ses aventures que l'on se transmettait jadis oralement depuis des décennies. Pour se raconter ou se mettre en sens dans un passé ou un présent commun. Donc, toute sa production littéraire est absolument fantastique et fait de lui probablement l'un des meilleurs euh, raconteurs, collecteurs de contes qu'on qu a eu à ce moment-là. Un témoin aussi, Il les a tous connus. Chiniki euh, est allé chez eux, Chiniki. Euh, ensuite de ça, ben, les personnages Baptiste La Chapelle, ben, ça Baptiste La Chapelle, hein, c'est euh, son héros d'enfance, c'est un, un cageux. Un bourgeois de cage. Les bourgeois de cage, c'était des gens célèbres. Le plus célèbre, c'est euh, les pieds sur le bord du Cap-Diamant, le, le cul sur le bord du Cap-Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai jasé un petit bout de temps avec le grand Joe Montferrand. Mais lui, Fréchette euh, connaissait frère, euh, Joe Montferrand qui était fort. Mais Baptiste Lachapelle, lui, il était grand, il était beau, il était fort. Et il était bon. Il sauvait la veuve, défendait la veuve et l'orphelin. Et en plus, il composait des complaintes. Quand il était petit, la petite servante avait chanté la complainte de Baptiste Lachapelle. Et puis, euh, il était resté avec ça, un bonsoir, il l'avait rencontré. Et puis là, Baptiste Lachapelle lui avait raconté sa complainte. Le petit Frichette était content. Mais c'est sûr que quand je vous parlais de Joe Violon, ben c'était mieux, Joe Violon aussi. Mais Joe Violon, lui, c'était le vrai conteur, là. Hein? Cric-crac les enfants, sac à Non, c'est comment? cric-crac les enfants, parli, parle, parlons, parlons, comme une déclinaison euh, latine, parli, parle, parlons. Pour en savoir le court et le long, passer les crachoirs à Joe Violon, sac à tabis, à à les ceux qui n'écouteront pas. Pour entrer en matière, c'était vraiment bien. Pour compter tous ces personnages qui l'ont inspiré, que vous pouvez euh, retrouver, que les gens de chantier, c'était quand même du monde qui, qui pouvait avoir euh, leur place dans l'histoire, que les originaux et détraqués qui se promenaient euh, soit à, à Lévis ou à Québec, parce qu'il y en avait aussi des originaux et détraqués. Traqué à Québec, ou des gens comme Grelot qui, euh, parce qu'il se faisait crier Grelot, est devenu fou un jour. Mais toute cette manière de raconter, bien, de nous amener ces personnages-là, c'est vraiment unique, c'est un témoignage euh, inoubliable, ça donne vie à cette période là qui en tout cas pour moi dans mon souvenir était la période victorienne donc une période beaucoup plus hein, carrée que, que pour laquelle j'avais pas beaucoup d'intérêt mais à partir de tous ces personnages là j'ai redécouvert mon pays qui s'est battu dans ces temps là aussi alors c'est un témoignage formidable Fréchette prenait beaucoup de plaisir à raconter ses contes et ses histoires et sa fille, Jeanne, raconte qu'il fallait entendre son père qui allait de long en large dans son vaste cabinet quand il écrivait des histoires, lisant ses phrases à haute voix pour mieux goûter leur effet et riant même à s'en tenir les côtes des propos amusants tenus par ses propres personnages. En 1900, Louis Fréchet fait paraître en feuilleton ses souvenirs qu'il va appeler euh, Réminiscences et ses textes seront publiés 60 ans plus tard en volume sous le titre Mémoires Intimes, une œuvre attachante où le poète va présenter sa jeunesse, sa famille, ses héros et les coutumes de l'époque. En mai 1907, il décide de s'établir avec sa femme à l'Institut des sourds et muettes près de la rue Sherbrooke, Donc, il va vivre là ses derniers jours. La décennie qui suit... Euh, qui, en fait, la dernière décennie de la vie de Fréchette est marquée par de grandes joies, par exemple le mariage de ses filles et les grandes reconnaissances socioculturelles, mais aussi par des grands malheurs, dont la perte de son seul fils, Louis-Joseph, décédé en 1901, dont il ne se remettra jamais. Aussi, il souffrait de neurasthénie, une maladie cruelle qui peuple le cerveau de papillons noirs et enveloppe l'âme d'un voile de deuil. Cet homme qui avait tant aimé la vie, un peu trop même, désirait maintenant la mort et l'appelait. Lui demandant de mettre un terme à ses souffrances. Et elle finit par répondre à ses appels. Elle le fit au mois de mai 1908, alors que le pensionnaire revenait d'une visite bien agréable à discuter de littérature chez son bon ami Louis-Olivier David. Il portait à la main un joli bouquet que son autre lui avait donné pour sa femme. Et Au seuil de son pensionnat, le 30 mai 1908, il est subitement atteint d'un AVC. Il s'effondre sur la pelouse, ne reprendra jamais confiance et décède le lendemain, le 31 mai, entouré de sa femme et de ses filles. Quand il est allé chez Louis-Olivier David, justement la veille de, de sa mort, euh, Louis-Olivier David lui parlait de Spinoza, qui disait que l'être humain, euh, euh, à la longue, euh, était appelé à devenir Dieu. Et Fréchette lui avait dit, euh, ben, comme disait amy, il avait des idées noires, il avait dit « Oh, regarde, là, comme ce que je sais de l'humanité, de moi-même, on a de la misère à être convenable, je me demande bien comment est-ce qu'on ferait pour devenir Dieu. » Et puis, euh, il se posait aussi la question de savoir comment savoir souffrir quand on n'est plus maître de ses pensées. Alors, dans son dernier sonnet, il termine, Et quand le terme viendra de ma course éphémère, je pencherai ma tête et je m'endormirai, comme un enfant en paix, sur le sein de ma mère. Les funérailles de Fréchette se sont déroulées dans l'église Saint-Louis-de-France et elles ont été bien tranquilles pour un homme qu'on avait autant glorifié de son vivant. Louis Fréchette a été un personnage remarquable, auteur d'œuvres lyriques intimistes et militantes, auteur du premier recueil de notre littérature, recueil de poésie, premier Canadien récompensé par une institution culturelle étrangère, en l'occurrence l'Académie française. Un homme qui a produit pendant quatre décennies durant dans tous les genres, passant par la poésie, le théâtre, l'opéra, les articles de fond, les pamphlets et puis par les contes. Un homme qui a cherché toute sa vie à se maintenir au premier plan de l'actualité idéologique, littéraire et culturelle. Une personne charismatique, influente, pleine d'humour, qui a parfois détonné dans le paysage sobre de la littérature victorienne de l'époque un écrivain public, à l'aise sur toutes les tribunes, animé par un profond patriotisme et un amour inconditionnel pour la langue française, un homme d'amitié, de famille, d'ambition et de travail. À la fin de sa vie, Fréchette avait été choisi comme président par ses jeunes confrères de l'école littéraire de Montréal, il recueillait des fonds pour l'érection d'un monument à la mémoire du poète Octave Crémazie. Pour lui, il s'agissait de rendre un hommage public et permanent Selon ses propres termes, à un travailleur de la pensée. Travailleur de la pensée. À travers sa vie et son œuvre, on peut aussi dire que Louis en était un, un travailleur de la pensée. Et sur ces mots, nous vous remercions pour votre écoute. Nous espérons que vous avez aimé vous faire narrer cette vie de péripéties et nous passons maintenant à la période de questions. Sakatabi, Sakataba, mon histoire finit d'en parler.